Mais qui voit-on là, monsieur obstacle, maître S. Auteuil, Jean-Paul Gallerini, au vent d'août de Deauville? Mais vous êtes là en train d'inspecter ou jouer une petite marque jaune, là, c'est pourquoi? Oh, bah vous savez, un cheval reste un cheval, hein, et qu'il soit en plat ou en obstacle, c'est un problème d'origine, de conformation et autres. Mais là, quand on vient et qu'on est fiscalement français, on a juste le droit de regarder à l'extérieur. C'est vrai, la petite marque, elle n'est pas pour acheter ? Non, mais c'est parce que souvent, c'est des chevaux que je connais dans ses origines. Évidemment, il y a des chevaux que j'ai entraînés. Hein. Ah oui. Hier, il y en a une qui est partie à 550 000. Ben, c'est toute, vous voyez, cette famille-là, 550 000, oui. Ben, tout ça, c'est ma famille. Ben, ah oui, dis donc, oui, vous connaissez ça ? Ben oui, voilà. Mais je suis au troisième air en bas. 550 000, mais j'apparais pas. Alors, vous êtes réputé pour savoir vraiment bien juger les modèles des chevaux d'obstacle. Quand vous regardez un cheval de plat, est-ce que vous devez changer d'œil ? Non, non. C'est un coup d'œil général, etc. Évidemment, la morphologie d'un cheval de plat, de vitesse ou un stayer, c'est pas pareil. Et pour l'obstacle, c'est pas... C'est, bon, ça, c'est des petites choses. Hein. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un petit coup de cœur parmi ceux que vous avez vus ? Bah écoutez, là je viens d'arriver, il y a le cheval que j'ai vu comme ça, j'ai dit tiens, celui-là il marche bien, il me plaît. Alors je regarde, vous allez voir, je tombe sur la famille Goldikova. Alors vous voyez, hop, j'ai dit tiens, celui-là il me plaît. Je le vois passer, OSNM, Goldikova. Bah évidemment, il est parti à 220 000. Je ne suis pas dans ce créneau, j'ai pas de clientèle. Alors en ce moment-là, on va devenir turfiste, on va le suivre avec le plus grand intérêt. Merci, M. Gallerini. Je souhaite en tous les cas que la personne qui l'a acheté réussisse, parce que c'est une famille où on ne peut plus vivante. Hein. Et je trouve que d'ailleurs, il n'a pas fait cher. Hein. C'est pas très cher, 220 000. Enfin, tout est relatif. C'est quand même un peu d'argent, mais dans la vente de sélection du mois d'août, il aurait fait le double, j'aurais pas été étonné. Pour le prochain, je vous promets, on s'associe. Merci, M. Gallerini. Merci. <d'argent>, hein.